N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez retrouver les offres des The North Face Vective Pro 2, ainsi que les codes promo de nos e-shops partenaires en description. Commençons par une présentation technique du modèle. En cette première moitié d'année 2024, The North Face a sorti une nouvelle version de la Vective Pro, une de ses deux super shoes équipée d'une plaque en carbone avec la Vective Sky. La Vective Pro 2 constitue en réalité non pas la deuxième, mais bien la troisième version de la chaussure, puisque la première version de la Vective Pro avait elle-même succédé à la célèbre Fly Vective, la toute première chaussure à plaque carbone de l'histoire du trail. Cette seconde version des Vective Pro s'inscrit assez fortement dans la lignée de la précédente. Seuls quelques changements ont été apportés au niveau de la semelle intermédiaire et de la tige, dans le but de rendre le modèle un peu plus confortable. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les The North Face Vective Pro version 2024 demeurent des chaussures toujours aussi radicales et orientées performance. D'un côté, elles s'affirment comme l'un des meilleurs compromis entre réactivité et amorti sur le marché. Mais de l'autre, elles apparaissent toujours aussi exigeantes et assez limitées sur le plan des terrains. Bref, la Vective Pro 2 est le genre de chaussure assez unique sur le marché, qui ne vous laissera pas indifférent. Elle conviendra surtout aux amateurs de vitesse et d'excellent déroulé de la foulée, qui s'entraînent sur des terrains assez faciles. Vérifions tout d'abord le poids du modèle, ici en taille 45,5. Cette nouvelle version de la Vective Pro a été un poil alourdie par rapport à la version précédente, d'environ 5 grammes. La Vective Pro 2 apparaît d'autre part comme une chaussure particulièrement rigide, en longueur comme en largeur, rien de plus logique compte tenu de la présence d'une plaque en carbone. Intéressons-nous maintenant à leur profil de semelle. Les Vective Pro 2 continuent de s'appuyer sur une hauteur de semelle de 32 mm au niveau du talon, inchangée par rapport à la version précédente. Elle est par ailleurs associée à un stack de 26 mm au niveau de l'avant-pied, ce qui correspond à un drop de 6 assez classique chez The North Face. On retrouve surtout la double incurvation assez prononcée de la semelle, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, qui constitue un peu le trait distinctif des modèles de la marque. C'est le fameux profil à bascule qu'on retrouve sur la plupart des modèles The North Face. Quant à la semelle intermédiaire, elle est composée de deux éléments. D'une part, la fameuse plaque en carbone, qui vient se situer en dessous de la semelle de propreté. Elle a aussi pour particularité d'être dessinée en forme de fourche, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Sur la partie inférieure du midsole, on retrouve un tout nouveau composé, le Dream. C'est une nouvelle mousse, qui a le double avantage d'être plus légère et de proposer un peu plus de rebond que l'ancienne version. Faisons d'ailleurs un petit focus sur le comportement de la semelle intermédiaire. On voit que le composé Dream apporte un peu plus de moelleux, en particulier au niveau du talon. Aucun changement n'a par contre été opéré au niveau de la semelle extérieure par rapport à la précédente version du modèle. Les Vective Pro 2 continuent de s'appuyer sur un composé Surface Control, qui est développé par The North Face, ainsi que sur les mêmes types de crampons que la version 1. Ces derniers demeurent assez peu proéminents, puisqu'ils ne sont épais que de seulement 3,5 mm, mais aussi assez peu densément répartis sur toute la surface de la semelle. Ils sont par exemple absents d'une grosse partie centrale de la semelle, en blanc. L'empeigne constitue l'autre partie de la chaussure qui a fait l'objet d'une rénovation. The North Face a tout d'abord choisi de recourir à un nouveau type de mèche, qui est présenté comme étant un peu plus aéré et respirant que ne l'était l'ancien. La marque précise également que son maillage est un peu plus serré, l'idée étant d'apporter un peu plus de maintien au pied durant l'effort, mais également d'empêcher un peu mieux les débris d'entrée à l'intérieur de la chaussure. L'arrière de l'empeigne comporte beaucoup plus d'éléments rigides que la partie avant. La marque a cherché à apporter de la protection à l'arrière des pieds, mais surtout à donner beaucoup de châssis au niveau du talon. L'autre singularité de l'empeigne des Vective Pro 2 est d'avoir un béquet assez haut et prolongé, qui va bien venir envelopper l'arrière du pied des athlètes.
La partie supérieure des chaussures dispose par contre d'assez peu d'éléments de protection. À l'avant, le pare-pierre en est réduit à son strict minimum et est très peu rigide. Et les parois latérales sont totalement dépourvues de renfort, que ce soit à l'avant ou sur la partie médiane. Enfin, le système de lassage des Vectiv Pro 2 est sans trop de surprises classiques. Mais on notera tout de même que les lacets sont crantés, ce qui permet de conserver un niveau de serrage constant durant l'effort. Le chaussant est quant à lui classique, même s'il apparaît un peu plus resserré au niveau de la partie médiane. Les pieds sont ainsi bien maintenus et structurés par la tige durant l'effort. La boîte à orteils est également de forme assez classique. Les Vectiv Pro 2 seront donc une chaussure qui conviendra avant tout aux pieds fins à standard. Il y a un peu moins de place à l'arrière de la chaussure, mais aucun frottement n'est pour autant à signaler avec le talon. La coque talonnière dispose en effet d'inserts en mousse qui apportent pas mal de confort, notamment au niveau du tendon d'Achille. Quant à la languette, elle est assez fine, mais elle tient bien en place. Elle empêche par ailleurs assez bien les débris d'entrée à l'intérieur de la chaussure. Passons maintenant au ressenti sur le terrain. On retrouve sur les Vectiv Pro 2 les trois éléments qui constituent l'ADN du modèle, à savoir la réactivité, le très bon déroulé de la foulée et un important soutien. Tout d'abord, et sans trop de surprise, les Vectiv Pro 2 apparaissent comme des chaussures véritablement dynamiques. On sent en effet un gros effet propulsion lié à la présence de la plaque carbone, qui favorise à la fois une foulée portée vers l'avant et une attaque au niveau du médio-pied. Mais ce qui constitue le trait distinctif du modèle tient au fait que ce gros dynamisme est combiné à un important soutien. On ressent en effet une quantité assez importante de matière et de filtre terrain sous le pied. La nouvelle mousse Dream apporte surtout une dose de rebond que ne proposait pas la première version de la Vectiv Pro, ce qui rend les chaussures globalement plus confortables. On sent en tout cas un peu moins de rigidité sous la voûte plantaire, et notre foulée en est rendue d'autant plus aérienne. Mais s'il ne fallait retenir qu'une seule des qualités de la chaussure, ce serait indubitablement son déroulé de la foulée. Les transitions sont en effet hyper fluides durant la foulée, de l'avant jusqu'au talon, et l'économie du travail du pied n'en est que plus importante au fil des kilomètres. Sur le plan des pratiques, les Vectiv Pro 2 seront des chaussures éminemment polyvalentes. Elles seront préférentiellement destinées aux distances intermédiaires et aux séances tempo. Mais il s'agit également de chaussures qu'on pourra utiliser sur du long, à condition d'avoir un minimum de pied et la cheville musclée. Les Vectiv Pro 2 font en effet partie de ces modèles qui permettent de courir longtemps, à condition que ce soit sur des rythmes assez élevés. Mais le modèle de The North Face apparaît surtout assez exigeant musculairement lorsqu'on les utilise de nombreuses heures durant. Les Vectiv Pro 2 vont en effet avoir tendance à sursolliciter les fascias ou encore les muscles des hanches au fil des kilomètres. Mais ce seront des chaussures qu'on pourra également utiliser lors de séances plus actives, type séances de côte ou fartlek, et sur des trails courts, grâce à leur excellent dynamisme. Elles constitueront par exemple une bonne alternative aux modèles hyper légers et minimalistes, comme les Salomon S-Lab Pulsar, ou les Normal Kierag, qui ne sont malheureusement pas à la portée de tous les athlètes et gabarits. La principale limite des chaussures tient en réalité à leur qualité d'accroche assez limitée. Pour faire simple, les Vectiv Pro 2 vont être les plus à l'aise sur les terrains compacts et durs, comme les pistes larges ou le gravel, contexte où elles offrent une foulée vraiment naturelle et fluide. Autrement dit, elles seront plutôt taillées pour les contextes assez roulants. Les chaussures révèlent par contre plus rapidement leurs limites sur les terrains meubles ou sablonneux. On ressent par exemple un manque de traction dans les montées au sol friables. Mais c'est sans doute sur les sols gras et boueux que les chaussures peinent le plus sur le plan de l'adhérence. Autrement dit, les Vectiv Pro 2 seront assez peu adaptées à une utilisation en sous-bois et sur sol décomposé, en particulier lorsque les conditions seront humides et hivernales. Ce sont plus globalement des chaussures qui ont du mal à s'adapter aux contraintes du terrain, en grande partie à cause de leur rigidité. On le ressent lorsqu'on court dans des monotraces assez sinueuses et accidentées, où les chaussures subissent pas mal les aspérités du terrain.
Les Vectiv Pro 2 vont également pâtir d'un manque de stabilité sur ce genre de terrain. Elles ont en effet tendance à assez facilement tourner lorsqu'on va poser le pied sur des racines ou des cailloux. Autrement dit, ce seront des chaussures qu'on pourra emmener en montagne, à la double condition que les sentiers ne soient pas trop techniques, mais également d'avoir les chevilles assez souples et solides. Au rayon des bons points, on saluera le fait que les Vectiv Pro 2 proposent des qualités de maintien assez bonnes, et ce en dépit de leur tige assez minimaliste. Les pieds sont en effet plutôt bien enveloppés par les tissus, et ce de manière homogène. Le mesh est par exemple suffisamment flexible pour bien accompagner les mouvements des pieds et éviter tout frottement. Les tissus sont par ailleurs assez fins et aérés, et parviennent ainsi à vraiment bien évacuer l'humidité durant l'effort. On a également été rassuré par les qualités de durabilité du mesh, qui résiste vraiment assez bien aux coups et aux déchirures. On a malheureusement connu des super shoes aux tiges beaucoup plus fragiles que cela. C'est toutefois un minimum qu'on est en droit d'attendre d'une chaussure commercialisée à 250 euros. En résumé, les The North Face Vectiv Pro 2 sont des chaussures assez uniques et radicales. Elles proposent surtout un compromis entre réactivité, amorti et déroulé de la foulée que nul autre modèle n'est capable de proposer sur le marché. Il faudra par contre la réserver au terrain compact et globalement peu technique pour pouvoir les apprécier à leur juste valeur. Nous vous proposons, pour finir, un résumé des points forts et des points faibles du modèle.